Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec la faction l'initiative, épisode compliqué précédent. Et puis j'avais terminé sur une mauvaise manip qui était un peu coûteuse. Donc du coup j'ai rechargé avec l'épisode précédent. Donc petite modification, hein. J'ai mis Iita en blindage de mon point de contrôle. D'une part, elle va sans doute le faire plusieurs fois, parce que si je récupère les points les uns après les autres, ça va coûter un peu cher. Et puis, donc Citron, que j'ai mise donc en répression du point de contrôle principal, exécutif. Et Dachus, au lieu de le mettre en... je l'avais aussi mis en répression du même point, ce qui ne servait pas à grand-chose, je l'ai mis en purge du point en question. Voilà, donc on grappille les points de contrôle en Europe. Pendant ce temps, donc, on a Adriel qui continue de faire de la pub. Et puis, voilà, et puis donc France est parti à la chasse aux plantes. J'ai envoyé une armée sur San José. Où il y avait des plantes également, et puis Brieux est toujours en train de booster le combiné panasiatique. Voilà où on en est. Alors, je me dis aussi que ça fait longtemps que je suis pas retourné faire un tour dans l'espace. Donc ça vaudrait peut-être le coup que je vérifie que normalement j'avais, donc j'ai quand même bien booster mes ressources dans l'espace, en particulier les métaux de base, grâce à ce que j'ai pu faire sur Mercure. Donc je vais aller booster mes autres stations, enfin voilà, essayer de faire en sorte d'avoir des bonnes stations complètes. Donc là, par exemple, ce modèle-là, normalement, j'en ai déjà un. Je vais pouvoir l'adapter sur toutes mes... Hop, appliquer le modèle Habitat, base Mercure, tac. Ça, c'est bon. Même chose ici. Hop. Ça me coûte quand même 2K de matériaux de nobles, hein. de métaux de base. Donc, vaut quand même mieux avoir les reins un peu solides. Mercure, ça coûte cher. 1,1. Non. Bon. Ok. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir faire mes... Celle-ci, je vais l'enregistrer comme modèle. Un chantier spatial. J'ai quoi? J'ai deux réseaux de défense. Groupe d'ingénieurs autonomes. Trois centres d'opération. Et une nano-usine. Ah non, deux nano-usines, deux nano-usines. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais sauvegarder ce modèle d'habitat. C'est déjà fait, semble-t-il. Donc, je vais l'appliquer ici. Tac. Ouais, station Mercure, très bien. Tac. Ok, si maintenant je vais autour de Mars, qu'est-ce que ça dit? Hop. En termes d'énergie, 252, 227. Et quoi, j'ai un groupe d'ingénieurs autonomes, deux réseaux de défense, deux nano-usines.
Ouais. Je pourrais imaginer mettre une ferme plutôt qu'une nano-usine. En avoir une, c'est bien. Là, je suis large en sous. Ça me permettrait d'économiser hein, les fermes. Ça permet d'économiser bah, de la flotte et des matériaux explosifs. Qui sont quand même vraiment indispensables à long terme. Donc, on va partir là-dessus. Et donc ça, je vais le sauvegarder. Afficher les modèles d'habitat. Alors, Mars Nano. C'est quoi Mars Nano? Pas super lisible ce système là. Ah si, cœur de camp, complexe minier, réseau de réacteurs fission. Défense de points, réseau de défense de points, nano. Oh oui, c'est avec des réacteurs à fission. Donc celui-ci, je peux le virer. Hop. Et cette base-là, donc ça, ce sera base Mars. Sauvegarder. Toi, tu m'intéresses totalement pas du tout. Ok. Donc, je vais pouvoir l'appliquer. Hop. Et accessoirement, normalement, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, parce que Mars coûte beaucoup moins cher à construire que Mercure. Hop. Donc là, c'est la même chose. J'ai juste un truc à changer. Hop. Ouais, ça lui plaît pas. Appliquer. Là, une petite ferme en plus. Et on continue. Voilà, bon, ça va me coûter en coût d'entretien. Hein. Pourquoi c'est désactivé ça? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai? Énergie consommée 230. Oui, mais j'ai deux trucs désactivés. C'est pas normal. Ça, c'est réseau de défense. Groupe d'ingénieurs autonomes. Bon, on va virer le groupe d'ingénieurs autonomes. Hein. Mes quatre chantiers spatiaux, je les veux. Donc, bah de l'énergie. Hop. Tac. Donc ça, je vais sauvegarder. Hop. Station Mars. Hop. C'est même c'est spatioport Mars. Spatioport Mars. Techniquement, en fait, j'ai pas vraiment besoin de le sauvegarder, je suis en train de me dire, mais. Parce que des spatioports, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Ok. Et donc, du coup, toi. Nano-usine. Ouais. Ok, ça c'est bon. C'est plutôt ça en fait qu'il faudra que je sauvegarde. Comme station potentielle sur Mars, mais elle est moins intéressante. C'est pas intéressant d'en multiplier les comme ça. Techniquement, si je. Autour de Mercure, j'aurais plutôt intérêt à en faire davantage que ce que je n'ai fait. Mais il n'y a peut-être plus beaucoup de place. Je peux pas forcément anticiper ça. Orbite. Ah si, il y a de la place encore. En orbite extrême, c'est
D'accord. C'est bien en orbite extrême, je pourrais m'en mettre une aussi. Tac. Je pourrais mettre une station automatisée avec un spatioport en orbite extrême. Ça peut permettre de servir de relais éventuellement. Bon, c'est pas indispensable. Mais ça coûte pas grand-chose, ça se fait vite fait. Comme je les ai, hop, les stations automatisées. On peut pas mettre grand-chose. Voilà, ça peut servir de dépôt d'approvisionnement. Et puis un collecteur solaire. Pas grand-chose d'autre à y mettre, mais voilà, ça peut permettre éventuellement à des vaisseaux de faire le relais. Comme c'est en orbite extrême, c'est plus facile de faire les transferts depuis les orbites extrêmes. Puisqu'il y a les questions de gravité qui influent beaucoup moins. Voilà. Donc là, je suis en orbite basse. Donc ça, je peux fermer, c'est ce qui est déjà construit. Et oui, je pourrais éventuellement fonder d'autres stations. 4,1, pour l'instant, je vais en rester là. Je vais en rester là. J'ai déjà construit beaucoup de choses. Donc, on va relancer la partie. Non, il me reste Cérès à voir. Là, c'est Vénus. Ouais, alors Vénus, j'ai pas fait grand-chose. Mission Cabot, c'est autour de Vénus aussi. Là, je suis autour de Cérès. C'est vrai que Cérès, je me suis quand même bien foiré. Quatre emplacements, j'en ai chopé qu'un seul et c'est le moins bon des quatre. Hop. Du coup, sur Cérès, je peux faire en fait la même chose. Que ce que je fais sur Mars, hein. C'est en gros le même concept. Ça coûte un peu plus cher, mais ici j'ai fait quoi? Ah, j'ai qu'un seul chantier spatial. Tour de Cérès, est-ce que je pourrais me faire aussi en orbite haute? Ouais, c'est moins important. Ouais, je vais m'en faire une petite. La même qu'autour. C'est moins indispensable. Mais ah, sauf que non, j'ai qu'un collecteur solaire. Ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir faire d'énergie. Et autour de Mars, ça j'ai pas vérifié. Hop. Mon spatioport, il est en orbite extrême. En orbite basse, ce serait bien si j'en avais une aussi. À la limite. Je vais m'en faire une autre en orbite basse. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Je vais y arriver. Tac. Retour. En orbite basse. Tac. À la limite, ici, je pourrais remplacer. J'ai quoi? J'ai deux centres d'opération. Une nano-usine, il me la faut. Groupe d'ingénieurs autonomes. Je pourrais faire un centre d'opération au moins. Et avoir un spatioport. Un chantier pas spatial, ce qui peut permettre au vaisseau, parce que mine de rien, entre une orbite extrême et une orbite basse, il y a de la distance, et c'est important de pouvoir, quand j'aurai des vaisseaux, pouf pouf, que je puisse ravitailler aux différents endroits, en fait. Allez, on avance. I will help them. Ok. Making things safe for our people.
Alors, batterie de canon lourd. C'était du coup. Alors, c'est que des stations solaires que je peux avoir là. Il me faudrait. J'ai recherché automatisé. Demande pas de fission, c'est ça que j'ai pas. Qui demande poste de station. Kit de fission automatisé. Alors qu'est-ce qui me manque pour le faire? Pile à fission automatisée. Celui-ci, je l'ai pas. Algorithme administratif. Ok, et eh ben je sais ce qu'il me restera à chercher une prochaine fois. Les algorithmes administratifs. Ça rigole pas. 30 000, cher. Bah, ce sera pour très vite. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher? Qu'est-ce que je recherche? J'ai rien. Ah oui, on avait dit que ça pouvait finalement servir. Trop pas bien cher. Ça, on va le rechercher. Il faut que je le fasse de toute façon. Un typhon. En soutien. Public opinion is moving in our direction. We lost their town. Ah, scrogneugneux. Quelqu'un a saboté l'installation. Ah, en Malaisie. Odef. Score one for the good guys. Caserne de la marine et hop. Ça va vite. Hop, faisons vivre nos 50 000. What the fuck? Ah ouais, mais attends, j'en ai une autre. Non, alors là, bon, typiquement, on va attendre du coup. 50 000. Bon, on va les chercher. Pas sûr que je m'en serve vraiment, mais ça, pareil, c'est des petits trucs qui coûtent pas cher. Alors, San José, San José. Hop, attaque-moi ça. Ah, j'ai un copain. Ok, d'accord. Il m'en a foutu partout. We're in Ouf. control here. Ok. The reason that conflict stains human Alors, canon history is Gauss. because something in our nature causes us to hate our neighbor. Donc, Yet une we autre have forme learned. d'attaque, une forme de canon, scanner de férocité. Alors, malus, manipulation contre point de contrôle. Ok. Bon, c'est de la défense, c'est pas fondamental, mais allons déployer les férocités pour faire plus de dégâts aux armées humaines. Bon, allez. Hop, c'est pareil, c'est pas. Normalement, je peux m'en sortir autrement. Bah déjà, je vais avoir récupéré 4 armées. Hop. Même 5 armées. 5 armées en Europe. 2, 3, 4, 5, ouais.
Et puis les autres, on va continuer de les grappiller. Alors, citron, tu vas me faire le plaisir de ne pas te planter la prochaine fois, ça m'évitera les sueurs froides. Qu'est-ce qu'il faut pas que je lui laisse? Bonus sur une mission de contrôle de mission, il n'y en a pas. Acquisition d'organisation, je m'en fous. Campagne publique, bah, la troisième. Hop. Applying pressure on their people. Reporting in. Hop. Targeting the opposition. Reporting in. Et il t'a continué de blinder. At your service. France. Ah, j'ai. Taking it to them. Des plantes à Rostov. Ah oui, sauf que mes armées asiatiques, mes armées eurasiennes sont un peu occupées. Les armées chinoises sont un peu loin. Bah, du coup, tu vas y aller. Rostov. Gear up. Brieux, tu vas aller enquêter sur ce qui se passe à Berlin. We'll see what we can find. C'est quoi? Des extraterrestres aperçus. Donc ça, c'est un extraterrestre. Ouais, bah là, pour l'instant, je suis occupé à autre chose. Je vais repasser dans le rouge. Hop, une armée à Atlanta. Très bien. Protecting our interests. Très bien, hop, la défense, on prend. Ah non, parce que c'était juste... hop. Allez, hop. Alors, bah, on continue. Ah, donc, un peu de gauche. On recommence, si ça fonctionne pas. Alors, terminé celui de Monterrey. Hop. The people will come to our side. Là, on maintient la pression. They slipped away oh putain. Chance de réussite 19%? Je n'avais pas fait une purge par hasard. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est où? Non, c'est pas. Nous avons une chance de nous emparer de la méga. De la. Nous emparer? Ah oui! Alors la mégaphone, c'est les grosses bestioles. Lorsque nos armées les affrontent au combat. Ouais, c'est rigolo. Bon, j'en vois pas souvent parce que généralement je n'arrive pas le temps d'apparaître, mais des fois que. Ça peut être rigolo. The LZ is secure. Et ben. Hop. Pourquoi je fais du butin, moi? Je suis un peu con. Je vais les récupérer, c'est... Je vais les récupérer, ces pays. Pour l'instant, on reste comme ça. We found something. D'ailleurs, je l'ai pas blindé ce pays, c'est une connerie. Abruti.
Mais quel con. Ah d'accord. Bon. Bah écoute. Ok, sur Mercure, bah, très bien. Hop. Quel con. Alors, il faut que je blinde aussi la Russie, l'Union Asiatique. J'ai du boulot. Alors. What's the op? Ita. Tu blindes ici. Dachus. Tu vas bah, reprendre ça. Terminating the opposition. Ready for my mission. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné, du coup, ils peuvent pas prendre le deuxième point. Donc, j'ai pas besoin de blinder à ce tour-ci. Citron, tu vas me blinder l'Union Eurasiatique. Toi, du coup, tu peux retourner à tes activités de conseil. Offering assistance. Et France peut continuer. Oh là 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 là. J'y arrive pas, quoi. Ah, Hanoï, Phnom Penh. Kharkiv. Bon, ceci dit, sachant que maintenant je contrôle. Non. C'est là que tu vas, pas ailleurs. Maintenant que je contrôle la plupart des armées européennes. Et je pense qu'il peut même pas appuyer sur le bouton rouge. Et je sais pas trop en fait. Je me suis jamais vraiment servi du bouton rouge. Même si je me suis jamais servi du bouton rouge. Vous avez la possibilité d'ordonner un ensemble de frappes nucléaires. Nous pouvons cibler n'importe quelle région appartenant à nos ennemis actuels, nos propres régions si les forces ennemies sont présentes. Notez que des défenses avancées empêcheront toute attaque. L'utilisation de ces armes causera des dégâts terribles et durables à la région ciblée, détruira les armes ennemies et les installations qui s'y trouvent et réussira probablement le monde entier. D'accord. Tiens d'ailleurs, puisqu'on est censé être en... environnement, anomalie de température mondiale, 1,1 degré Celsius. Il y avait le coup de l'hiver nucléaire, je sais pas où c'est du coup. Pas trop. I don't know. Bon, là je repars. En excédent, c'est pas grave. On fera avec. Confirmé. Tac. Lending my expertise. Securing our control. Hop. Making things safe for our people. Ouais, pareil. Oh la vache, j'y arrive pas. Est-ce qu'ici, ouais, mais ici j'en ai pas. J'ai pas d'autres pays. Ouais, tous les pays avec barrage nucléaire, je les contrôle totalement. Ah, quand même. J'en ai pas d'autres qui a poussé dans le coin. Alors, l'habitat propose une défection. Nous avons reçu une transmission clandestine de la part de l'équipage de la station Sonyali, qui appartient actuellement à la faction Le Protectorat, et donc ils veulent me rejoindre. Alors, Sonyali, Le Protectorat. Non, c'est les habitables, je veux. Protectorat. Sonyali, c'est autour de Mars. En orbite moyenne.
pas ouf. Mais bon, si ça peut faire chier les autres. Bienvenue à bord. Hop. On va commencer mission et on pose. Du coup, est-ce qu'ils ont fait défection ou pas? Pas encore. Attends, sauf que j'ai vu que... Parce que en fait, on peut avoir plusieurs plusieurs stations qui ont le même nom. Non. Kharkiv. On va passer l'aspirateur. Peine de ralentir leur croissance. On recommence. Et bon. Target destroyed. We've removed some threats. Très bien. Alors, on va rechercher un peu plus de défense. Tac. Là, parce que, qu'est-ce que je recherche? Pas de militaire. Allez, les canons grosses. L'académie, je l'ai eu avant toi. Mais ils auraient bien pu me le reprendre. Kharkiv, très bien. Mm-hmm. Je suis pas d'accord. Putain. Je suis pas d'accord du tout. Ça sent l'alien qui se balade. Grrr. Ça sent l'alien qui se balade. Alors. Ready for orders. Tac. Going after their people. Ah. Your orders. Et purge. We're taking power. Where do you need me? Ita, tu vas me planter le Portugal. What's the op? C'est un peu répétitif d'un tour à l'autre. Coup en Union européenne. Bien. Hanoï, j'en ai encore, mais j'ai une armée dessus. Hop. We're going in. Ouais, j'ai une armée dessus. Offering support. Making things safe for our people. Hop, kit d'avant-poste. Ça, on définit comme favori. Tac. Ces glitches là sont un peu pénibles. Public sentiment is increasing. Oh la vache, 49, j'arrive. We've neutralized their key people. Ok, ça c'est fait. Bien, alors. On poule. Munition de masse permet de régénérer. Ah oui, ça on avait dit que c'était bien aussi. Est-ce que j'ai... Non, je recherche pas ce genre de projet déjà. Préparation rapide, 50%. Ah oui, il est nécessaire. Target secured. Je suis pas encore au max en menace. Oh la vache. Our associates are now in charge.
Ah, fuck. Eh oui, parce qu'ils ont pris celui-ci. Ah là 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 là. C'est chaud. Et du coup, il attaque Pékin. Ah ouais. Sophia. Sophia et Pékin. Oh la vache. Sophia, c'est là. Ça, je vais l'accueillir. Oui, parce qu'il a récupéré plein d'armées du coup. Aussi, il faut j'utiliserai le gros bouton rouge aussi. Hein. Ça va être ces deux-là qu'il a envoyé. Ok, donc là j'ai fini de construire plein de trucs. Change tout de suite toutes les alliances toutes les... Oh, ça c'est vraiment lourd, il faille cliquer 50 000 fois et il faut que je blinde les states. Protecting our interests. Et ben... Ready for my mission. Je vais faire du blindage aussi. Acknowledged. Your orders? Ready. Standing by for orders. Tac. Cracking down. C'est... Ready for my mission. La team, il marche de 2 à 2. Hein. Removing our enemies. Est-ce que j'ai des trucs chez moi? San José de nouveau. Hop. Ouh, ils sont pas en forme. Alors annule. Un remplacement. Et ben on est reparti. Hein. Il va sur Pékin. Ouais, logiquement, je les aurais récupérés avant. Hein. Pékin et Prague. Ah merde, oui, c'est cela. Non, putain, c'est chiant ça. C'est vraiment chiant ces contrôles. Sur Pékin, bon, j'ai des armées qui sont là en défense. Hein. Normalement, ça passe pas. Ah, que c'est compliqué. Offering counsel. Making things safe for our people. Securing our interests. Pourquoi Managua? Ah oui, t'es qu'il était à deux cases de distance. Hmm.
Ça, c'est celui que je remonte vers Pékin. Ok, donc là, ça va bastonner. Et là, ça bastonne aussi. Normalement, avec le bonus de défense, j'espère que ça va passer. Attends, moi, je suis à... Lui, il est à 4,5. L'union radiatique, je suis à 3,7. De toute façon, je vais les récupérer tôt ou tard, mais bon, c'est quand même pas très très confortable. We've moved the needle. We've hit them where it hurts. José, très bien. Bon, ça va, la défense se passe bien. We are in control now. Je l'ai récupéré. Mais lui, il a récupéré le 4. Ah, oh, putain, il a récupéré le 12. Quel bordel! Ouais, annule tes alliances. Quel bordel! Et le protectorat, mais il s'est fait évincer, quoi. Bon. At your service. Bon, je vais arrêter l'épisode là. On va voir ce que... Attends, qu'est-ce que j'ai récupéré? Je vais juste gérer les divisions. Donc celui-là, effectivement, c'est à moi. J'aurais presque trouvé ça plus confortable qu'il soit détruit. Alors... C'est juste n'importe quoi. Donc celle-là, elle est à moi, elle rentre à la maison. Ok. Celle-ci, elle va également rentrer à la maison. Ah, je peux pas. Je peux pas annuler à partir du moment où elle est dans l'eau. Je peux pas l'annuler. Celle-ci est sur le point d'arriver. Ben, je vais devoir... Berlin, celle-ci, elle reste là. Et celle-ci est aussi sur le point d'amérir. Bon. Eh ben, ok. Ouais. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais c'est bien. Un peu plus de challenge. Je vais voir un peu comment je vais... Je vais réfléchir à ça entre les deux épisodes. Voir si je peux trouver des solutions alternatives. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu. Putain, ils ont 0%, quoi. Ouais, je suis sûr que ça, c'est un putain d'alien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et voilà, dire si ça vous a plu, tout ça. Et si vous avez des conseils à me donner, je suis parfaitement preneur. Parce que là, je rame. Bisous à tous. À bientôt.